Salut à tous, c'est Artemis pour une nouvelle vidéo sur No Man's Sky. J'essaie juste de mettre le stream sur mon téléphone, une petite minute. Voilà. Alors, on va donc farmer un petit peu de cuivre sur cette planète. Je vais déjà prendre cet or qui est là et puis je vais changer d'endroit. Faut essayer de trouver un endroit où il y a beaucoup de cuivre. Je vais atterrir ici en plein milieu. Parce qu'apparemment il y a 3 cuivres, 4 cuivres même, qui entourent cette zone. Je vais les faire un par un. Voilà, puisque du cuivre on en aura besoin évidemment pour améliorer notre vaisseau, entre autres. Et qu'on n'en a jamais vu avant, donc on va utiliser l'opportunité qu'on a d'en farmer quelques stacks. Hein.
Ce sera un début assez long, hein, encore une fois. On va pas terminer ça à fond, hein. On va juste prendre les plus gros. Voilà, c'est bon, on va y aller. On se dirige vers le deuxième. Je regarde où est le plus proche. Apparemment, on a même une base là, on ira après. Aller à ces deux-ci. Je me rappelle plus si j'avais scanné déjà la flore locale. Non. C'est toujours ça de prix, hein. Ça a l'air d'avoir beaucoup plus. Ça, je l'avais déjà fait, je crois. Ou pas. Facile à farmer d'ici. Alors il nous en fallait 400 pour améliorer l'hyperpropulseur, j'ai regardé à combien j'en suis. Voilà, maintenant ce qui nous manquait donc c'était encore un peu d'iridium et un résonateur dynamique. Donc on va aller chercher ça après. Je vais d'abord farmer quelques stacks. Je pense que je vais juste finir le dernier rocher là qui est un peu plus loin et... Puis je vais repartir directement à la base spatiale en chopant un peu d'iridium au passage dans l'espace si on en trouve. Et on sera paré, on pourra voyager beaucoup plus loin plutôt que de voyager seulement dans les systèmes voisins.
Je sais pas qui est sur le stream, mais salut. Voilà, et alors nous avions encore un rocher dans les environs. Là-bas. Je prends aussi un peu de plutonium histoire d'avoir une petite réserve. Parce que j'en ai plus des masses. Hein. Le zinc est toujours bon à prendre. Ah, le rocher là, je l'avais déjà fait, donc... Je pense pas avoir assez déjà de cuivre là, 500 unités plus un petit peu. Ah non, 750 et un petit peu, donc j'ai encore en farm un petit peu. Donc on va repartir avec le vaisseau, on va pas aller à la base finalement. On va essayer de trouver un spot avec quelques rochers, on va les farmer et puis on va partir dans la base spatiale. L'un à côté de l'autre. Bon, on va s'arrêter juste ici. Hein. Juste aller récupérer ces nouveaux mots là. Je pense que c'est du Viking d'ailleurs, j'ai pas fait gaffe. C'est bien ça. On a encore deux petits piliers là-bas. Guerrier et remplacé.
Voilà, la tempête est finie. Je vais juste aller recharger ma combinaison anti-toxicité. Oh, on a même trouvé une grotte en dessous. De l'émeril sous forme de cristal, waouh, ça va faire beaucoup beaucoup de sous. Si on en trouve. Mais bon, je vais pas m'attarder là-dessus. On est déjà assez farmé. On va surtout continuer notre aventure. Hein. Peut-être même essayer de se rapprocher du centre de l'univers quoi. Parce que c'est quand même le but principal du jeu à la base. Et de 1. C'est là-bas qu'il y a de l'émeril, mais bon, c'est du côté opposé à notre direction, donc on va pas s'y attarder. Hein. La première fois que je vois de l'émeril sous forme de cristal, ça se ferme vite hein, sous forme de cristaux, n'importe quel composant. C'est quand même tentant, parce que ça se vend cher par unité, je vais vérifier. Ça se vend à 275 unités, l'or c'est 220, donc c'est un peu plus cher que l'or. C'est vraiment pas mal. D'avoir des masses de sentinelles ici, j'en ai pas vu une seule pour l'instant. Je farme tranquille. Je suis quand même tenté de m'arrêter un peu pour les mérils, hein, c'est pas possible. Je peux pas laisser passer cette occasion non plus. Comme quoi, parfois, même s'il n'y a pas d'animaux sur une planète, c'est toujours utile d'y rester un peu. Juste pour les composants. Voilà, c'est bon comme ça, on va dire. Hop.
Bon, du coup. Voilà, le mairie il avait l'air d'être dans cette direction. Je vais juste farmer ceci, hein. Pas besoin d'en avoir des masses. Bon, je pense que c'est l'entrée de cette grotte. Je suis pas sûr. Ça se farme vraiment vite, hein. Voilà, c'est déjà fini. Oh, il y en a encore un peu là-bas, je vais aller le prendre. Encore là-bas. Tant que j'en ai, je prends, hein. Dès que j'en ai plus, on se casse. Je sais pas si c'est de l'émeryl ou autre chose. Là il y en a encore un peu, mais bon, il n'y en a pas des masses donc c'est bon, on va y aller. Juste regarder combien j'en ai du coup. Bon, ça va. On s'est fait un bon petit pactole. Check juste hein, pour prendre le moins d'espace possible. Voilà, et on va tout de suite. On va tout de suite aller au vaisseau comme ça. On va finir d'explorer ce système avant de nous rendre dans un nouveau. C'est parti. Alors si je me rappelle bien, c'était la première planète qu'on explorait dans ce système. Et on va essayer de voir combien il y en a ici en fait. Ah, je peux pas le voir, je suis obligé d'aller sur M. Alors sur notre système, il y a une planète et deux lunes. Donc logiquement, ça doit être dans ce coin-ci. Alors on a juste une planète là-bas, on va aller un petit peu à distance. Enfin non, d'abord je vais aller à la station spatiale, comme j'avais dit. Thank you.
Ça lag pas mal, hein. C'est embêtant. J'espère qu'ils vont faire un patch assez vite pour fixer les problèmes de latence sur le jeu. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se plaignent de la version PC. Bon. On va faire comme les gens civilisés, on va prendre l'escalier. Toujours ce bug graphique là dans les stations spatiales qui est très embêtant. Là, il ne manque plus que de l'iridium et on pourra faire l'amélioration pour le vaisseau. Je cherche de l'iridium, peut-être ceci. Non, c'est du nickel. Ah, on a du cuivre aussi dans l'espace, ça c'est bon à savoir. Qu'est-ce qui peut bien être de l'iridium? On va se faire attaquer. Wow, wow, il y en a un peu trop là. Je trace vite à la station. Une minute, je vais jamais tenir une minute moi. Il y a trop de tirs. Il y en a beaucoup là, beaucoup trop. On essaye d'esquiver les tirs comme on peut, hein. Hop, hop. Hop, on tourne sur nous-mêmes. On fait la Star Wars. Allez, 15 secondes. J'ai presque plus de bouclier.
5, 4, 3, 2, 1, et nous y sommes. Il y a un peu beaucoup de pirates là quand même. Réparer la visière d'analyse, analyser des objets, envoyer vos découvertes. Mais j'ai déjà fait ça. Il n'y a pas d'iridium ici, dommage. Bon, on va devoir se débrouiller, hein. Est-ce que c'est toujours le même vaisseau à 34 emplacements là? 33 celui-ci. 10 millions quand même le vaisseau quoi. Il n'a pas d'iridium non plus. On a un apparemment très gros vaisseau qui arrive. Je sais pas combien d'unités, combien d'espace. Il peut avoir 34 aussi, 12 300 000. Celui-là il est classe. Et pas d'iridium non plus. Allez, on va prendre notre courage à deux mains. Peut-être que ça, ça en est. Non, c'est du cuivre. C'est ça là. Oula, un énorme là. C'est de l'aluminium. Ça aussi. Ah non, c'est encore autre chose. Du nickel.
Ah, mais de toute façon, de l'iridium, j'en ai déjà, donc si j'en trouve, ça le mettra directement dans l'inventaire. Je me demande vraiment à quoi ça ressemble. J'en avais déjà trouvé, mais je me rappelle plus du tout. Tamium. Horrible pour les oreilles là. Cuivre encore une fois. Je ne trouve pas d'iridium, c'est embêtant. Je me demande si c'était pas les espèces de cristaux verts là dans l'espace. Je sais plus. Les gros cristaux verts. On va avancer tout droit, hein. On verra bien si on en voit. Thank you.
pas de cristal, bon ben. Au pire, on a plus de chances peut-être d'aller sur la planète. On va y aller. Bon, si j'ai bien vu, je crois qu'il y a de l'iridium pas loin. Je pense que ça en est. En tout cas, j'ai cru voir un truc noir et rouge comme ça un peu. Fais gaffe s'il y avait des animaux, non, il n'y a pas d'animaux. Bon, je pense que j'ai confondu peut-être avec du cuivre, c'est possible. Bon, ben, on va repartir, hein. Donc cette planète a pas l'air intéressante.
Ah, j'ai déjà découvert les trois, non. L'une de la planète Karinovica. Ici, c'est la planète Karinovica. Et là-bas. Ah, voilà. Il a l'air d'avoir pas mal de cuivre sur cette planète aussi, mais bon, on a déjà farmé assez. On a une faune élevée sur cette planète, ça c'est bon, on va pouvoir vite l'explorer et tout scanner. Non mais... On a l'air d'avoir une planète où tout est hostile. En tout cas, les sentinelles le sont toutes. Ça risque d'être éprouvant. Bon. Mauvais choix. Qu'est-ce que c'est que ça? Une balle de gravitation.
Wow, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce gros pilier là? Je pense que c'est de l'alu, mais je suis pas sûr. Vu la couleur, ça me semble logique. Ouais, voilà. Avec un peu de chance, ce serait de l'iridium là-bas, hein. J'espère. De l'iridium, non, c'est de l'émeryl. Oh, c'est déjà pas mal aussi. On va le prendre.
Je vais pas me prendre la tête avec ce système. Il nous manque 1, 2, 3, 4, 5, 6 espèces. Stabilisation.
Il nous manque donc maintenant 4 espèces. Moi je parle pas beaucoup hein, je joue juste tranquille quoi aujourd'hui. Ces sentinelles sont vraiment agressives, c'est horrible. Bon bah j'ai perdu de vue celui que je ciblais. Du coup, il y en a un qui est tombé, mais je ne sais pas où.
Oui, on a toutes les espèces. Donc on va repartir de la planète Illico Presto. Puisqu'on n'a pas d'iridium dessus, on va aller directement dans un nouveau système. Je l'avais déjà activé ici, hein, il me semble. Ouais. Je sais pas pourquoi il me l'affiche toujours. Et c'est parti pour un nouveau système. Anomalie détectée. Interface Atlas. Oh, c'est embêtant là. Navigation est vraiment pas évidente sur ce truc.
Voilà, donc je dois me rendre jusque là, si j'ai bien compris. Non, c'est pas possible. Ah salut Darkstorm Dieu, je sais pas à quelle heure tu as envoyé le message, j'avais pas vu. Ça va, et toi? Je suis en train de relancer la diffusion là parce qu'apparemment ça a bugué. Donc l'image va revenir tout de suite. Donc je peux aller jusqu'ici déjà. Il y a 5 planètes. Donc ce qui veut dire que je sauterai un système avec 6 planètes. Ensuite, on a encore un système avec 5 planètes, un autre avec 4 planètes, et ensuite on peut arriver ici. C'est notre objectif. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais directement faire plusieurs sauts pour arriver à notre destination. Donc, on va directement sauter ici. Voilà. Waouh, ça avait l'air classe pourtant ici, mais je vais pas y aller.
Je vais juste chercher la station spatiale, voir s'ils n'ont pas d'iridium. Je ferai ça sur chaque système dans lequel je vais atterrir, hein, juste pour l'iridium, parce que j'en ai absolument besoin. Puis si ça peut me permettre de sauter plus loin d'un coup, alors autant le prendre. Nous sommes retournés auprès de Corvax. Voyageur de l'Atlas, je vais avoir une crise d'épilepsie là avec tous ces clignotements. Alors. Pas d'iridium. Oups, c'est pas par là. Wouhou, ça donne le tournis. Bon alors, la station spatiale, elle est... Ici. J'espère qu'on va trouver de l'iridium cette fois-ci. C'est embêtant ce bug graphique là. Ça pique aux yeux.
Un meilleur multi-outil, il a moins d'emplacement, moi je refuse. Non mais, arnaqueur. Pas d'iridium ici non plus. On est en route pour notre dernier saut. Je vais juste voir ici. Ne t'envole pas. Parce que ce vaisseau il est classe. J'ai envie de voir combien d'emplacements c'est. Et combien il coûte surtout. 29 emplacements, 5 millions. On n'a pas les moyens du tout. Et en route pour le dernier objectif. Je sais pas trop c'est quoi la suite de la mission là, mais c'est le dernier saut je veux dire. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Interface Atlas. Wow. Ben, je vais prendre ça et je vais arrêter la vidéo ici pour aujourd'hui. Une fois avoir pris ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow. Wow, 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 mais qu'est-ce que c'est que cette grosse boule rouge là? Tout ce que sont ces boules, mais je vais toutes les activer. En tout cas, l'endroit est magnifique. C'est bon. Pierre Atlas, ah cool.
Voilà, donc je vais juste checker un petit peu ce qu'il y a dans la station spatiale à vendre. Ah bon, bah, fail. Et voir s'il y a de l'iridium. Ensuite, j'irai sur une planète ou un autre système, ça dépend de ma mission. Je peux courir plus longtemps si j'active cette technologie. Et toujours pas d'iridium. Ils sont bizarres ces vaisseaux, on dirait des têtes de canard quoi. Les 21 emplacements, c'est nul. Alors quel est notre objectif là? Est-ce que je dois rester dans le même système ou bien est-ce que je peux scanner le système solaire là? Stellaire, pardon. Bâtiment abandonné détecté. Sur cette planète. Et voilà, on a notre prochaine destination. C'est parti. Il y a des plantes, pas mal de plantes. Je ne vois pas d'iridium, je cherche. J'ai pas l'impression de voir de l'iridium sur cette planète, tant pis.
tout cas, c'était un beau paysage assez spécial. Alors, avons-nous des espèces animales sur cette planète? Normal. Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est une planète chaude. Elle est assez proche du Soleil. Donc voilà, je vais sauvegarder ici, je vais explorer vite fait cette planète au prochain épisode. Waouh, on a une espèce volante là-bas. Assez étrange. Je me demande comment elle fait pour voler. Voilà, et bien je vous dis merci de m'avoir regardé, et je vous dis au prochain épisode alors pour la suite des aventures sur No Man's Sky. Salut, salut!